Après plusieurs mois passés en famille dans son manoir dans le Norfolk, le prince William a rompu son confinement le mardi 16 juin dernier. Le duc de Cambridge a assuré sa première visite officielle depuis l'épidémie de coronavirus, et a rendu visite à un centre d'urgence de la ville de King's Lynn, dans le comté de Norfolk. Trois jours plus tard, dans la matinée de ce vendredi 19 juin, le père de famille de 37 ans était de nouveau de sortie, certes dans une boulangerie, mais pour un devoir officiel royal. Alors qu'en parallèle son épouse Kate Middleton a effectué sa première excursion post-confinement et a rendu visite à une jardinerie, à quelques pas de là, le prince William aussi était de sortie, au-devant de la presse britannique et des photographes. Le fils de la reine Elizabeth II s'est rendu dans la boulangerie Smith's the Baker, dans la ville de King's Lynn. Alors que lui reprend doucement et sûrement ses obligations, le membre de la famille royale montre ainsi au peuple de son pays que la vie aussi reprend son cours. George, Charlotte et Louis fans de pâtisserie. Ici le prince William a choisi de rendre visite à la boulangerie Smith's the Baker, CST justement car l'établissement fêtait sa réouverture après 11 semaines. Lors de sa venue, le père de famille a échangé avec les propriétaires des lieux, et en a profité pour faire une confidence sur ses trois enfants, les princes George et Louis, et la princesse Charlotte. Un souvenir du confinement que dont le papa n'est pas prêt d'oublier. Les enfants se sont mis à attaquer la cuisine, et tout s'est transformé en une explosion de farine et de chocolat partout, a-t-il confié, rapporte le Belfast Telegraph. La famille Cambridge gourmande. Et pendant que les trois enfants s'affairaient en cuisine, les deux parents aussi, puisque le prince William a expliqué que lui et Kate Middleton ont fait de la pâtisserie. Je pense que nous avons tous mangé beaucoup de gâteaux et de chocolat, s'est-il amusé. Avant de partir de la boulangerie, le prince William a acheté quatre pains au chocolat et un croissant, pour sa petite famille.